Allez, ça fait longtemps. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit trek hivernal. On est sur le territoire de Belfort. On part de Giromanie et on monte au Grand Ballon. Le Ballon d'Alsace. Et on va y passer une nuit. On a tout prévu. On a les raquettes, le matos d'hiver. On espère ne pas avoir trop froid puisqu'on attend entre moins 6 et moins 8 cette nuit. Donc, on va voir ça. Allez, suivez-nous. Ouais. Objectif aujourd'hui, monter au Ballon d'Alsace. Donc on va passer par l'auberge du Wiesgrut où on va manger ce midi. On se laisse la possibilité en partant du Wiesgrut de redescendre sur le lac d'Alfeld pour ensuite remonter au Ballon d'Alsace. Et on verra surtout en fonction de l'heure parce qu'on est quand même fin janvier et donc le soleil se couche assez rapidement. On voudra arriver au Ballon d'Alsace pour le bivouac ce soir avant que la nuit soit tombée pour poser la tente et tout. Surtout qu'on risque d'avoir quand même des épaisseurs de neige assez importantes. J'ai regardé sur le bulletin météo, on doit avoir à peu près 50 cm. Donc on a quand même un peu de préparation pour poser la tente et tout. Donc on verra au moment venu quand repartir du Wiesgrut si on redescend sur le lac ou pas. Donc on se disait avec Mathieu il y a à peu près 5 minutes, l'objectif principal de ce trek, en tout cas pour moi, mais on est raccord sur le sujet, c'est pas forcément la performance physique comme on a pu faire lors de notre dernier trek. Là c'est plus résister aux conditions climatiques. On va voir comment on se débrouille. Moi c'est la première fois que je fais un trek comme ça dans la neige, enfin un bivouac plutôt. Donc je pense que je me suis peut-être un peu chargé la mule inutilement sur le matos, mais la première expérience fait que on adapte sur les prochaines fois en fonction, voir ce qu'on a utilisé, ce qu'on n'a pas utilisé. En tout cas là, moi je commence déjà à suer parce que le sac est assez chargé et on devrait encore monter. Là on a atteint la ligne des 450 mètres et le Ballon d'Alsace est à un peu plus de 1002. Donc on avance. Et puis sinon on a pris des raquettes également. A priori en haut on devrait avoir à peu près 50 cm de neige. Donc là on n'a pas les raquettes encore au pied, mais ça va arriver assez vite je pense. Et puis demain on aura un bout de plateau, donc on va pouvoir utiliser la raquette à ce moment là et ça va être cool parce que c'est pareil, c'est une première pour moi. Bon, le Ballon d'Alsace est indiqué à 3h, donc on est quand même pas mal. Il doit être à peu près 11h30 midi, je pense. 11h40, voilà. Et il fait super beau, c'est trop bien, il y a de la neige. Et à mon avis, on va pas tarder à sortir des raquettes, parce qu'on commence à avoir les pieds qui s'enfoncent un peu. Bon, il y a quand même pas mal de traces, donc les gens ont bien tassé. Mais bon, on va voir, quoi. En tout cas, il fait super beau, c'est magnifique. La température est idéale, il n'y a pas de vent, franchement c'est nickel, toutes les conditions sont réunies. Bon, on a fait à peu près la moitié de la montée là, on a fait à peu près 400 mètres de D+, en 1h30, un peu plus. La température est franchement idéale, il doit faire à peu près 4 degrés. On transpire pas mal, donc... dans ces cas-là, évitez de transpirer trop. Si jamais vous avez trop chaud, enlevez une couche. Parce que sinon après, c'est l'horreur pour remettre le sac sur le dos. Et au-delà de ça, si jamais après vous vous arrêtez, vous refroidissez, vous êtes humide, vous pouvez vite tomber malade. Donc en général, évitez de trop transpirer. Là, ça va pour l'instant. J'ai juste une petite sous-couche en mérinos. C'est une petite polaire. Et c'est pas mal du tout. Maintenant, il nous reste 400 mètres de D+ encore. Et puis on arrive tranquillement. C'est parti.
Bon bah écoutez, les raquettes, c'est un oui à 1000%. J'en avais jamais fait et c'est vraiment un régal, forcément, hein, si ça existe, c'est que ça a vraiment un intérêt. En tout cas, pour ceux qui n'en ont jamais fait comme moi, je vous conseille de faire une chose. Marcher dans la neige sans les raquettes, un petit moment, et ensuite mettez les raquettes. Vous verrez tout de suite la différence. Bah là, ces raquettes-là, je les ai prises sur Amazon parce que j'étais un peu contraint par le temps. J'étais à 100€ la paire au lieu de 150, c'est des Alpidex. Donc moi, je m'y connais pas en marque de raquettes particulièrement. En tout cas, elles sont vraiment légères, on les sent pas aux pieds. Elles font vraiment le taf, elles ont un très très bon grip. En dessous, on a des crampons. Donc vraiment, c'est magique, quoi. Que penses-tu des raquettes? Fantastique. Ouais. On aime, on valide. Tu aimes bien? Plus soi. Ok. Un petit conseil quand il fait froid, pensez à vous hydrater. 3-4 gorgées toutes les demi-heures. Parce que comme il fait froid, on n'a pas forcément soif. Mais le froid, ça déshydrate beaucoup. Donc toujours bien s'hydrater, c'est important. Voilà le petit abri du col du Chantoiseau. J'ai une belle petite anecdote à vous raconter là-dessus. Une des premières randos qu'on a fait avec Mathieu ensemble, c'était une rando d'une seule journée et on est justement passé par ce lieu. Il était peut-être sur les coups de 16h, on n'avait pas encore mangé, donc on a décidé de se faire à manger à ce moment-là. J'avais mon réchaud bois Petromax, que d'ailleurs j'ai dans le sac là pour ce soir si on a besoin de se réchauffer un petit peu. Sauf qu'on avait pris 15 fois trop de nourriture. On avait de la semoule, des lentilles et pour couronner le tout, on s'est enfilé chacun une grosse canette de crème dessert Mont-d'Or, donc ça faisait à peu près 50 centilitres. Mont-d'Or, qu'est-ce que j'ai dit? Ah merde. La crème dessert Mont-d'Or. Ce n'est pas de la crème dessert Mont-d'Or. C'est de la Mont-Blanc, donc il y avait 1,5 kg de crème dessert Mont-Blanc par personne. Et ensuite, on attaquait par la montée qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une montée pour arriver dans les coins du Visegrut qui était spécialement compliquée. On n'avait pas de raquette à ce moment-là et on s'enfonçait pas mal. Donc bon, c'est une belle expérience à retenir, mais comme quoi on apprend de ses erreurs. Et voilà, on est arrivé à l'auberge du Visegrut. Maintenant, on va aller manger un bon plat chaud. Ça va faire du bien. Et regardez ça. C'est vraiment magnifique. Ça y est, on a bien mangé, très bien mangé même. Que penses-tu de ce petit repas? Très dodu en tout cas. Donc là on repart, il nous reste à peu près 2-3 heures de marche pour rejoindre le ballon d'Alsace. Et je viens de me rendre compte que ben il y a une des raquettes qui est déjà défectueuse, il y a une goupille qui fait le pivot pour que le pied, au niveau du pied, qui s'est barré. Donc je les rafistolerai avec de la paracorde, puis je les renverrai. Et puis on verra ça. Maintenant on se remet en route, on se sent un peu lourd, donc ça va faire du bien de se remettre en mouvement. Bon, le soleil commence à se coucher, on a pris beaucoup de retard parce que j'ai essayé de rafistoler ma raquette avec de la paracorde, sauf que 3 fois ça n'a pas tenu. Donc là j'ai remis de la paracorde avec de la colle forte. On va voir ce que ça tient. Et il doit nous rester un bon 2,5 km pour rejoindre le ballon d'Alsace. On y va. En tout cas, c'est toujours aussi beau.
J'espère juste que ma raquette tiendra l'aventure. Sinon, ça sera de la neige jusqu'au genou. Et puis c'est tout. Voilà. Et on arrive au domaine skiable du Ballon d'Alsace. Nous marchons toujours et le Ballon d'Alsace. Et juste en face, on a encore un peu de soleil, mais moi j'ai pas résolu mon problème de raquette et ça m'embête un peu pour finir la journée de demain. Du coup là-bas il y a une auberge, j'arrive plus à articuler avec le froid. Je vais aller voir s'ils peuvent pas me dépanner un bout de fil de fer, puis on verra bien. Sinon on fera sans, mais bon, là ça va, on trouve des zones quand même qui sont tassées, mais Je suis pas sûr que demain l'itinéraire qu'on va emprunter pour retourner sur Giromagny sera forcément bien tassé. On arrive à apercevoir la ligne des Alpes juste au fond. Si j'arrive à faire le focus. Et là on le verra sûrement pas au zoom. On voit le Mont Blanc. Juste là-bas. Si on arrive à faire le focus, bien sûr. Non. On arrive à le distinguer un petit peu là-haut, juste en face. Il est 19h, on vient de finir, enfin surtout moi, de poser la tente. J'ai un peu galéré dans la nuit et tout, planter les sardines en plus, c'était chaud. Maintenant on va manger, enfin moi je vais manger en tout cas, pour me réchauffer un peu, puis on va pas tarder à aller se coucher parce que ça caille. Donc je vais me faire un petit lyophilisé. Salut à tous, il est à peu près 7h30. Globalement il a fait froid, là on est aux heures les plus froides. Vraiment ça caille ce matin. Je suis encore dans la tente, j'ai encore les jambes dans le sac de couchage. Je dois avoir moins 3,5 dans la tente. Ouais, cette nuit on a dû avoir moins 6, moins 7. Donc la fin de nuit a été un peu compliquée, quoi. On va dire que le sac de couchage était peut-être un peu limite. Mais bon, ça va, ça l'a quand même fait. Alors je vais me faire une boisson chaude pour me réchauffer. Ça va faire du bien. Alors au niveau du matos, toujours la tente Trek 900 qui a fait l'affaire, même si c'est une 3 saisons parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vent cette nuit sauf un peu ce matin, donc ça l'a fait. Toujours aussi petit, hein, donc pour des treks hivernaux comme ça c'est un peu compliqué. En sac de couchage, j'avais toujours mon Situs Summit Spark 3 qui a une température de confort à peu près de moins 2, 0 moins 2 on va dire. Donc ça l'a fait, c'était un peu limite sur la fin de nuit. Ensuite au niveau du matelas, j'ai mon Thermarest Neuer X-Lite, plus j'ai remis en dessous un matelas en mousse de chez Decathlon, donc ce qui nous amène à une air value totale de 6,2, donc ça c'était nickel, donc pas mal. Après toujours voilà, on a pile poil la largeur pour dormir, on a un peu de place au pied. Donc c'est toujours un peu compliqué pour ranger les affaires, mais ça va, ça le fait. Ça y est, on est reparti. Bon j'ai pas pu faire les plans que je voulais parce que je voulais
plutôt faire des plans vidéo sur le bivouac, etc. Sauf que bon, les conditions, hier soir on arrivait tard, il faisait nuit, donc je pouvais pas filmer. Et puis ce matin, il faisait vraiment très froid. Dans la tente à 6h du matin, j'avais moins 4 ou moins 4,5. Donc dehors, il devait faire moins 7, un truc comme ça. Donc on a vite remballé pour partir et se réchauffer. Là, on est redescendu du ballon d'Alsace. Et on va essayer de se trouver quand même un petit auberge. Là, si on peut boire un café, juste le temps de se réchauffer les doigts de pied, parce que les chaussures, c'était des blocs de glace ce matin. Donc ça pourrait être cool si on pouvait boire un petit café. Et sinon, bah, on taillera la route. C'est parti. Allez, on se dirige maintenant vers la planche des belles filles, à peu près à 2h. En printemps. Le GR5. Bon, en tout cas, mes raquettes sont rafistolées provisoirement. Je suis passé dans un chalet qui faisait de la location de raquettes. Ils ont réussi à me remettre une vis. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, c'est bien. Maintenant, il nous reste 2 heures de marche pour rejoindre la planche des belles filles en longeant la crête. Donc là, on a vraiment des points de vue superbes. Bon, le rafistolage de raquettes n'a pas tenu. Donc dernière solution, un bout de fil de cuivre qu'on m'a filé dans une auberge. On verra ce que ça tient, mais je mets pas trop d'espoir sur cette solution. Sinon je marcherai comme ça avec, et puis on verra jusqu'où ça tient. Et si besoin, on écourtera, on verra. En tout cas, on essaye de boire de l'eau, mais l'eau est gelée. Ça nous fait un genre de granité. Un granité montagnard. Là, en fait, on a changé un peu d'itinéraire à ce qui était prévu initialement. Finalement, on fait un peu plus de kilomètres, mais on reste sur la crête plutôt que de faire du dénivelé, pour deux raisons. La première, parce que c'est un peu plus simple, et puis c'est sympa parce qu'on est on est sur les crêtes, donc on a des beaux points de vue. Et deuxièmement, c'est parce que l'itinéraire de base passait par une piste de ski, et on n'avait pas le droit de marcher en raquette. On a dû les emprunter ponctuellement parce qu'on n'avait pas le choix. On n'était pas trop à l'aise parce que d'une part c'est dangereux, et de deux on se sentait pas trop chez nous. Donc on a changé d'itinéraire. Bon, on vient de faire une bonne partie là sur des pistes de ski de fond. On n'a pas trop le droit et on s'est quand même fait engueuler 2-3 fois, mais on n'a pas vraiment le choix en fait, puisqu'on laisse pas beaucoup de possibilités aux randonneurs en hiver. Donc on a dû utiliser une portion de la piste en restant sur le bord, en essayant de dégrader au minimum. Moi, mes raquettes sont de nouveau pétées. Donc je fais avec comme ça. Et là, ça y est, on vient de retrouver une portion qui est empruntée par des marcheurs et qui n'est plus la piste de ski de fond. Donc c'est une bonne nouvelle. Et on monte à l'étang des belles filles, qui est juste un peu en amont de la planche des belles filles. On fait une petite pause vite fait, puis on y va, et après on se fera la pause midi. Ça y est, on est arrivé au lac des belles filles, qui est tout ensoleillé. On va aller se poser sur la petite table là, pour faire à manger. C'est vraiment très beau.
petite pause midi touche à sa fin. On va se remettre en route. On a décidé de ne pas monter jusqu'à la planche des belles filles parce que moi avec mes raquettes cassées ça fait remonter encore plus pour redescendre encore plus. Donc on va faire un peu plus court, on avait 10 km à faire, là on s'économise 3 km. On va se remettre en route et puis faire le plein d'eau aussi parce que j'ai plus d'eau. Et le problème c'est que mes raquettes fixées sur le bord du sac ont troué ma poche du filtre. Donc je vais juste prendre de l'eau comme ça et mettre des pastilles micro pures dedans. Et tant pis pour les impuretés, ça fera des protéines. Allez, on va se prendre un peu d'eau parce que je n'ai plus de filtre, donc je vais plutôt aller chercher dans des eaux un peu apaisées, quitte à pas remplir complètement la gourde, pour avoir le moins d'impuretés possible. Nickel, l'eau est parfaitement claire, aucune impureté dedans. Je vais mettre une micropure dans chaque gourde. Et hors d'école. Allez, on dit tout doucement au revoir à la neige. On va bientôt passer sous la barre des 650 mètres. Donc on a enlevé les raquettes. Ça commence à être plus praticable. Il nous reste à peu près 5 km avant d'arriver à la voiture pour finir ce petit tour. Que tout à fait gratuitement. Oh là là, regarde-moi cette haie. Qu'est-ce qu'elle est moche. Elle est dégueulasse. Retour tout doucement à la civilisation. On peut apercevoir la carrière de Le Puy, juste en fond ici, qui a fermé en 2019. C'était une carrière de pierre et granulat. Et voilà, on est arrivé enfin à la voiture, c'était une belle expérience. Là on a un peu de chemin à faire, donc je vais pas faire la outro tout de suite et puis on est un peu fatigué. Du coup on fera un bon gros débrief quand je serai rentré chez moi pour vous parler de tout ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc petit débrief à l'arrache dans la voiture. Désolé, j'ai pas eu le temps de le faire au cul de la voiture, malheureusement on était un peu fatigué, on avait un peu de route. Que dire de cette expérience? Donc pour moi c'était premier trek dans la neige sur plusieurs jours. J'avais déjà fait des randos voilà, à la journée, mais c'était la première fois que je faisais vraiment un trek sur plusieurs jours dans la neige. Donc avec une première nuit vraiment sur neige pour tester un petit peu tout mon matos. Déjà que dire de l'expérience de raquette? Eh ben c'était la première fois pour moi et très honnêtement j'ai adoré. Malheureusement ça s'est fait un petit peu de dernière minute, puisqu'à la base je voulais louer des raquettes dans une boutique, finalement il n'y avait plus de disponibilité, donc j'ai dû en acheter sur Amazon. La qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Voilà, j'ai mes raquettes qui ont cassé, celles de Mathieu ont tenu le coup en tout cas, donc j'ai dû les réparer plusieurs fois avec de la paracorde, avec du fil de fer trouvé dans une auberge, et puis même une boutique de location de raquettes a essayé de me les réparer avec une vis et un écrou stop, ça a tenu quelques kilomètres et voilà, c'était fini. Donc du coup on a dû écourter un petit peu la deuxième journée pour ne pas remonter, passer dans des endroits un peu trop compliqués sans raquettes. Mais voilà, on s'adapte aux conditions de terrain, c'est comme ça, c'est l'aventure. Au niveau du test de matos, la vidéo à la base, je voulais vraiment filmer des choses concernant le bivouac en période hivernale. Malheureusement on est arrivé un petit peu tard, il faisait nuit, donc ça n'a pas été optimal pour filmer. On était fatigué, je me suis énervé pour monter ma tente, il y avait du vent, bref, c'était pas l'idéal. Dans tous les cas, la nuit s'est plutôt bien passée, ça m'a permis de tester ma tente Trek 900 de chez Decathlon en période froide, même si elle n'est pas adaptée pour, que c'est une 3 saisons. Elle a bien tenu le coup, après il a juste fait froid, il n'y a pas eu trop de vent, donc c'était idéal. Au niveau du matelas et du sac de couchage, presque rien à dire. Au niveau du matelas, nickel. J'avais mon Thermarest Neo Air X-Lite
couplé avec un matelas mousse de chez Decathlon. Donc en cumulé, j'avais une air-value de plus de 6, donc j'étais bien isolé du sol, ça, aucun souci. Au niveau du sac de couchage, il a fait presque moins 6 dans la nuit. Mon sac de couchage est annoncé pour une température de confort de moins 2 et limite confort moins 8. On arrivait clairement à la limite, mais c'était vraiment une bonne expérience pour le tester dans les conditions extrêmes, on va dire, de confort de ce sac de couchage, et les températures annoncées par le fabricant me semblent très justes. Dans tous les cas, c'était une très bonne expérience malgré les quelques petits soucis, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aventure, c'est ce qui fait le charme de ces expériences là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et restez connectés puisque je vais vraiment essayer de faire vivre cette chaîne et de vous apporter du très très beau contenu. À bientôt. Ciao.